Alors, voici le cheval qui a eu la troisième place dans vos votes sur Snapchat pour les quatre présentations que je fais aujourd'hui. Et c'est donc Firelight et il avait remporté 22 voix. Donc Firelight, c'est l'étalon Mustang. Il a 8 ans. On nous l'a vendu comme ancien cheval de club, mais en fait, il est beaucoup trop caractériel pour ne faire que du club. On l'a mis du coup en demi-pension à un de nos cavaliers qui s'appelle Pierre, qui était déjà propriétaire et qui avait un cheval en pension chez nous. Cet autre cheval, c'est Ramsès. Et donc, Pierre a un très bon niveau. Et donc, toutes les semaines, il le monte 2 à 3 fois par semaine, en plus des cours que Firelight a avec le club. C'est-à-dire que Pierre le monte donc 2 à 3 fois, mais le club, pour les galops minimum 6 ou 7, il prend aussi peut-être 2 cours par semaine maximum. Et même comme ça, il a du mal à être canalisé en cours. Il est beaucoup, beaucoup trop speed. Il pourrait avoir un bon coup de saut, mais en fait, il est tellement à fond qu'il fonce dans les obstacles plutôt que de les sauter vraiment. Donc on essaye de le canaliser en faisant du dressage, des balades, etc. Mais c'est vraiment difficile. Donc, au niveau des équipements, il a pour le box et le pré, en tout cas, un licol éthologique de à peu près la même couleur que sa crinière et sa queue, donc un petit peu jaune moutarde. Et c'est le seul type de licol qu'il supporte parce que, donc, comme je vous le disais, monsieur est caractériel et les licols normaux ne lui plaisent pas. Donc, on a trouvé ce moyen-là. Et pareil pour la couverture, en fait il la déniapait, c'est-à-dire qu'il la mordait, il faisait sortir toute la mousse qu'il y avait à l'intérieur, etc. Donc on lui a enlevé et tout simplement on ne le tond pas et il est beaucoup moins au pré l'hiver. Il ne va au champ que quand il fait plus de 5 degrés, on va dire, l'hiver, parce que justement il n'a pas de manteau, mais au moins comme ça il a un bon poil d'hiver. Et c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour ne pas qu'il ait froid l'hiver. Donc au niveau de la monte, il a une selle noire de ma création avec un tapis vert et les bordures dorées. Et puis le filet est un hackamore parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur est compliqué et par conséquent, il ne peut pas être détendu quand il a un mors dans la bouche. Donc en fait, vous voyez, c'est l'action des rênes vers l'arrière, comme ceci, qui appuie sur le museau et qui fait freiner. Mais il faut quand même une main très légère et donc Pierre, donc son demi-pensionnaire, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, joue là-dessus avec vraiment une main très douce pour éviter qu'il ne surchauffe parce que c'est un peu le problème de Firelight, c'est qu'il déborde d'énergie et quand on essaye trop de le canaliser, c'est pire, il chauffe et c'est de pire en pire. Donc son box se trouve dans l'écurie des chevaux en demi-pension. C'est le box le plus à gauche. Et donc au niveau des rations, il a 2 litres le matin, 3 litres le soir. Et les jours où il est beaucoup monté, il a 3 litres supplémentaires le midi. Je vous montre de haut rapidement son box.